Ce lundi 9 janvier dans Touche pas à mon poste, des tensions ont une nouvelle fois éclaté entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet. Une chose est sûre, entre Daniel Riolo et Cyril Hanouna, le torchon brûle encore. Invité à débattre ce soir dans Touche pas à mon poste sur les propos de Noël Le Graët, le patron de la Fédération Française de Football, l'émission a donné lieu à des tensions entre l'animateur phare de C8 et sa chroniqueuse, Géraldine Maillet. Géraldine Maillet reproche le silence de Didier Deschamps sur l'affaire Le Graët car pour celle qui est aussi la compagne de Daniel Riolo, chroniqueur sportif sur RMC, la polémique autour de Noël Le Graët pose l'évidente question de son départ à la tête de la fédération. Il est élu officiellement jusqu'au printemps prochain, mais elle évoque également le silence de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France qui a re-signé il y a peu jusqu'en 2026. Immédiatement après s'être posé cette question, la chroniqueuse est néanmoins coupée dans son élan par Cyril Hanouna. « Non mais elle a un problème avec Didier Deschamps », a lâché l'animateur. « Tu me sortiras quelqu'un qui a un plus grand palmarès que Didier Deschamps en France », a-t-il ajouté. « Ne dis pas de conneries », s'agace Cyril Hanouna après plusieurs secondes de tension avec Géraldine Maillet. Cyril Hanouna réplique, « Tu trouves toujours surprenant des choses sur Didier Deschamps, car tu l'aimes pas. » Puis, l'animateur à succès de C8 va mettre en cause Daniel Riolo, compagnon de Géraldine Maillet. « Daniel la y met pas beaucoup », s'exclame-t-il. Et alors, quel est le rapport avec mon mari? Lui a-t-elle demandé, sèchement. Ne dis pas de conneries, on t'a déjà vu ici, tu n'as jamais défendu Didier Deschamps. Réponse de l'intéressé, je ne suis pas la porte-parole, d'abord si estime ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Lorsque Cyril Hanouna cherche à savoir ce que se dit le couple le soir quand Daniel Riolo défonce pendant plusieurs minutes le sélectionneur sur RMC. Mais après quelques secondes de tension, tout finit par rentrer dans l'ordre entre le présentateur de TPMP et sa chroniqueuse. À lire aussi Emmanuel Macron heurté et choqué par les propos polémiques de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.